Eh bien, écoutez, donc, je suis donc le premier vacciné au centre de vaccination de Beaujeu en Anjou. Moi, j'en profite pour remercier le maire, mes collègues du pôle santé et l'hôpital de Beaujeu, là, tous unis dans cette campagne de vaccination. C'est très, très important. Moi, je crois à la valeur de l'exemple aussi. Hein. Je crois qu'il faut que les médecins entraînent les autres soignants qui sont parfois réticents. Hein. Pas tellement le corps médical, mais certaines infirmières ou aides-soignantes qui ont dépassé la cinquantaine et qui devraient également se faire vacciner. Donc voilà, écoutez, donc là, autrement, sur le plan pratique, là, j'ai trouvé que c'est très très bien comme lieu. Ce que j'ai connu en 2009, là, le vaccinodrome de Beaufort, qui était un gymnase qui n'était pas chauffé, où on allait vacciner à la chaîne. Ça avait assez bien fonctionné d'ailleurs à Beaufort. Et là, on est chauffé, on est très bien accueilli. Le vaccin est très très sûr. Là, voilà ce que je peux dire. J'ai pas du tout, j'ai pas de crainte. Et on pourrait dire, comme Richard Virenque, je suis très seringue. Voilà. Bonjour, voilà, le centre de vaccination de Beaujeu-en-Anjou est ouvert et le premier patient, un docteur de Beaujeu-en-Anjou, a été vacciné. Donc l'organisation aujourd'hui est en place, les premiers patients arrivent, le flux est régulier. On a toujours quelques soucis pour prendre les rendez-vous, mais on vous demande d'être patient et de ne pas vous déplacer, simplement une prise de rendez-vous par téléphone, c'est la solution. Et globalement, je suis satisfait donc, que Beaujeu-en-Anjou ait été retenu dans le cadre de la mise en place de cette procédure de vaccination. Et puis surtout, très heureux de voir la mobilisation des milieux de santé, des professionnels de l'hôpital Beaujeu-Vallée, ainsi que des services de la ville de Beaujeu-en-Anjou qui ont rendu possible l'organisation de ce centre en un temps record. Nous avons eu l'information lundi soir et vendredi, il était opérationnel et dès mercredi dernier, nous prenions les rendez-vous. Donc, tout a été fait pour répondre aux attentes. Le centre va monter petit à petit en puissance. Aujourd'hui, c'est une journée de prise de contact. Quelques patients vont défiler et petit à petit, eh bien, le nombre va augmenter. Donc, on vous demandera d'être patient, on vous demande d'être patient, compréhensif et de bien comprendre la démarche qui est engagée. En tout cas, la vaccination va vraisemblablement être un vrai succès parce qu'il y a beaucoup de sollicitations et on ne peut que s'en réjouir pour venir à bout de l'épidémie. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire un petit point sur les premières heures du centre de vaccination.